regardez-moi cette image-là que j'ai fait en agrandi pour le 29 et pour le 30 septembre. Deux images où vous avez la position exacte des Lénines avec cette cible-là ici que vous voyez vraiment, et ici vous la voyez à la cible qui est là. Et je vais rafraîchir l'écran. Donc, si on prend la position ici, on la rapporte à cet endroit-là, eh bien, nous avons Lénine qui est environ comme ça ici. Donc, Lénine s'en va en montant dans cet angle-là. Eh bien, c'est vraiment particulier parce qu'elle s'en va vraiment se diriger et se placer au-dessus de la tête de la Vierge ici. C'est vraiment ça qu'on assiste parce qu'elle a un angle d'inclinaison de 1,85 degrés et donc fait une ascension dessous l'écliptique. Vous avez à un moment donné, je vous ai expliqué l'écliptique c'est quoi à plusieurs reprises, je ne le réexpliquerai pas ici, mais on est donc elle part dessous l'écliptique et à ce moment-là, elle a traversé l'écliptique pas mal le 11 septembre 2011, il y a peu de temps, mais avec un angle faible, elle est juste légèrement au-dessus de l'écliptique où elle fait encore partie de l'endroit qu'on appelle l'écliptique entre guillemets. Donc, c'est absolument extraordinaire. Comment un hasard comme ça peut se présenter, expliquer? J'aimerais que quelqu'un vraiment m'explique ce que je vous montre là actuellement. Moi, j'en ai pas d'explication à part de dire que cet objet-là est vraiment sur un contrôle absolument divin. Il y a quelque chose de vraiment en arrière de ça. Il y a vraiment quelque chose là-dedans. Maintenant, je vais vous donner des caractéristiques qui font que Lénine, c'est vraiment quelque chose de très très rare. Et je vais vous donner rapidement des caractéristiques spécifiques à Lénine qui nous donnent vraiment l'impression qu'elle va faire cette couronne d'étoiles-là pour compléter complètement le chapitre 12 de l'Apocalypse, qui est une extraordinaire prophétie. Alors, je vais passer ça rapidement parce qu'actuellement, je me bats à essayer de mettre ces vidéos-là le plus vite possible avant que ces événements-là arrivent. Vous savez pas le combat qui me ronge en dedans de moi. C'est quelque chose de vraiment indescriptible. Et voilà, je vais... Voyez-vous, ici, on parle... faut que la longitude et la latitude, les coordonnées de Lénine soient exactes dans le temps. Il faut qu'elles soient positionnées vraiment à une déclinaison... un angle de déclinaison et une longitude bien précise. Et Lénine passe l'orbite de la Terre dans le milieu de la fête de Sukkot. C'est la fête des tabernacles. Et cette fête-là, c'est une fête très importante qui va suivre la fête des trompettes. Comment est-ce que Lénine peut passer en plein milieu de cette fête-là, de l'orbite de la Terre, en plein milieu parce que c'est une fête qui dure 16 jours cette année, vous regarderez les dates. La position de la Terre à ce moment-là, pour que Lénine soit exactement placée pour nous au front de la tête, au front de la tête de la Vierge exactement, et qu'éventuellement qu'elle puisse se déplacer au-dessus de la tête de la Vierge, eh bien, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Il faut que la Terre soit placée à un endroit précis. Lénine a ces caractéristiques-là. Elle a toutes les caractéristiques que je vous nomme ici. L'alignement correspond à la fête des trompettes. Là, ici, il y a une erreur, c'est le 29 et le 30 septembre. Veuillez m'excuser, c'est vraiment le 29 et le 30 ici, OK? La magnitude doit être de M3 et moins pour que cet objet-là soit visible. Eh bien, les astronomes ont déjà prédit qu'elle atteindrait au moins M3 en magnitude. Mais je pense que cet objet-là, faisant référence ici aux prophéties des Mayas, pas des Mayas, mais des Hopis, qui nous dit que c'est une Kachina, et une Kachina s'est retiré son masque, cet objet-là va nous surprendre. Elle va nous surprendre si elle fait une couronne de 12 étoiles, me direz-vous, hein, mais moi aussi, moi-même, elle va me surprendre, même si je connais ces choses-là et que je vous les montre, ça va me surprendre dans un certain sens. Lénine doit être une comète fragmentée, elle a les caractéristiques, mais rien n'a encore été confirmé. Mais j'ai des photos prises par un astronome amateur et aussi un astronome professionnel qui montre des photos différentielles, c'est-à-dire des photos prises sur des temps différents où il semble avoir des objets en forme de couronne alentour d'elle. Mais les astronomes ont aussi parlé qu'elle se fragmenterait, mais si elle se fragmente, eh bien, ça va prendre une fragmentation aux alentours au moins du 29 pour que les morceaux puissent se répandre et éventuellement faire une couronne. Eh bien, c'est ce qu'on s'attend ici.
téléphone ne cesse de cesser, de sonner, pardon. Désolé. Eh bien, maintenant, pour continuer dans les caractéristiques des Léninines, sa venue coïncide avec la proclamation massive du paix et sécurité. Tous les gouvernements dans le monde ont proclamé, les gouvernements les plus importants, les Nations Unies, eux, qu'ils veulent amener les frontières de 1900 d'Israël comme en 1967, comme avant 1967, pardon, et ils ont tous dit que c'était pour la paix et la sécurité. Vous allez voir, je vais vous montrer les versets là-dessus. Ça correspond à la date du vote des Nations Unies de l'État palestinien. Pour qu'un tel événement astronomique nous revienne, il faudrait attendre plusieurs millénaires. Je vous l'expliquais tout à l'heure, là, à cause de la précession du Soleil, à cause que le fait que c'est Saturne qui naît exactement, presque en même temps que Vénus, la Lune se place en ses pieds, toutes ces caractéristiques-là additionnées ensemble rendent le casse-tête encore plus compliqué. Ça va prendre des millénaires, et dans les millénaires, eh bien, le Soleil ne serait plus dans le mois de septembre-octobre, et donc il sortirait des fêtes précieuses qu'il y a à Israël. Et je crois que la fin, les derniers jours, ceux qui ne croient pas qu'on est vraiment rendu dans les derniers jours, mais qui croient que ça arrive, mais eh bien c'est pas dans 1000 ans, c'est certain au rythme où les choses vont. Donc ça rend la solution impossible pour que ce signe-là soit un signe parmi tant d'autres qui revient. On parle vraiment de quelque chose d'unique ici. Course parfaite entre le millénium, Vénus, et le nouvel ordre mondial, Saturne. Ça, je viens de vous le dire. L'alignement correspond à la date la plus probable de la naissance réelle de Jésus. Il y a beaucoup d'études. Ça ne peut pas être prouvé. Je l'ai mis en orange. Mais vous ferez une recherche. La plupart des personnes qui ont étudié la parole croient que la vraie date de naissance de Jésus serait le 29 septembre. C'est la date la plus probable. Celle qui revient, évidemment, le plus souvent. Quelle coïncidence! Et il faut que je vous dise ceci, on est dans la troisième intifada, qui correspond au psaume 83, que je vous ai montré, tous les peuples se soulèvent contre Israël, les peuples proches d'Israël, dans l'entour d'Israël, se soulèvent contre elle, et aussi les peuples, toutes les nations du monde. Mais le psaume 83 nous parle du tumulte des peuples alentour. Si on regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, c'est exactement ça. Eh bien, la deuxième intifada, J'ai dit Intifada, mais je m'excuse, j'essaie d'aller vite. C'est Intifada. Et donc, la troisième Intifada, la deuxième, eh bien, la date de. C'était sur Yasser Arafat. Eh bien, la date du début de la deuxième, de la seconde Intifada, celle qui a précédé celle-ci, celle à laquelle on assiste actuellement, eh bien, la date était le 29 septembre 2000. Coïncidence? Je ne crois pas.